au fond tu voudrais être libre. Quand la joie te touche. Oh l'oiseau, il est libre. Guy Roger, bonjour. Bonjour, bonjour Farzad. Et bienvenue à nos chers téléspectateurs dans cette émission de Vivre Libre, au-delà des sentiers battus. On a vu dans l'émission précédente, c'était quoi les sentiers battus, au-delà et à l'intérieur. Maintenant, peut-être allons-nous visiter plus en détail et on va dire avec plus d'attention, plus intérieur, ce thème qu'on a abordé de Vivre Libre. Oui. On va voir ça pour aller le vivre maintenant. Savoir si on peut le vivre. Est-ce qu'on peut être libre au lieu d'en parler? Est-ce qu'on peut être là et libre? Et c'est quoi cette liberté? Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans notre société, on parle beaucoup de liberté. Liberté de faire ce que je veux, liberté de faire ce que je veux avec mon argent. Liberté de dire n'importe quoi, de dire tout, de supprimer, d'être brimé, la liberté d'expression. On parle de tout ça. Mais en fait, c'est quoi la liberté? Qu'est-ce qui est libre? Qu'est-ce qui fait que nous, les hommes humains, les êtres humains, on puisse être libre? Libre de quoi? Est-ce qu'on doit être libre? Certainement, on doit être libre de toute notre tracasserie, ça c'est sûr. Parce que là-dedans, il y a peut-être une vraie liberté de ne plus avoir la tracasserie du lendemain. Ça fait que ton esprit, il devient paisible, calme, et tu peux appréhender les instants qui viennent à toi, puisque tu es libre de toutes tes tracasseries, tu vois. Et je pense que ça demande d'aller très loin dans cette liberté. Parce que la liberté de prendre ma voiture et d'aller faire le tour de l'île d'un coup, puis je suis bien, tout ça, je pense que c'est une liberté vraiment superficielle. Et on en a besoin. C'est-à-dire c'est un genre de liberté où on se dit, je peux faire ce que je veux. Voilà, voilà. Et cette liberté-là, on en a besoin. Oui. Mais sans limite, ça nous mène à de l'excès. Exact. Exact. C'est une liberté, en fait, qui va avoir une limite parce qu'elle va enfreindre la liberté de l'autre à un moment. Tu vois? Donc, cette liberté, elle crée des problèmes. C'est-à-dire la liberté d'amasser de l'argent, par exemple. On amasse. Ouais. Mais à mesure qu'on amasse, il y a des gens qui sont de plus en plus pauvres. C'est ça. On est en train d'amenuiser, de réduire la liberté de l'autre en augmentant notre liberté à nous. Donc, cette liberté-là cause problème. Elle cause problème dans notre société. Bien que tout le monde veut être libre de le faire. Et tout le monde on a vendu notre société comme si c'était normal de toujours avoir plus, avoir plus, avoir plus, et de ne jamais en avoir assez. Tu vois? Et donc, on ferait tout pour l'avoir. On est prêt à braver les montagnes, à braver même les mensonges, les gens qui viennent contre nous. On est prêt à braver pour avoir cette liberté. C'est-à-dire, on est complètement investi, complètement nubilé, obsédé par le fait de cette chose qu'on prend pour de la liberté, mais peut-être que ça ne l'est pas. Voilà. Parce que quand on y arrive, on se rend compte qu'il y a une étape suivante, et encore, et encore, et encore, on est toujours insatisfait. Voilà. Alors donc, je vois, on peut bien s'apercevoir, si on réfléchit un petit peu, que la liberté, en fait, elle est limitée. Dans notre monde, la liberté, elle est limitée. Avec des lois, des règles, et tout ça, à mon avis, c'est une liberté qui appartient à une limite, à une caste de personnes qui peuvent faire plus ou moins, aller un peu plus loin. Et quand on déborde cette liberté, on est hors loi. Tu vois? On est escroc, on est quelque chose qui n'est pas conforme à la société. Tu vois? Maintenant, là, ici, on parle d'une autre liberté. Ici, là, dans l'émission. Oui, dans l'émission, il ne s'agit pas de cette liberté. Toi et moi, on est en train de parler de quelque chose, d'une liberté qui n'aurait peut-être pas de limite, une liberté sans condition. Voilà. Mais une liberté qui ne se trouverait pas dans le fait d'être libre d'avoir quelque chose. Pour avoir cette liberté. Voilà. Et ni de faire quelque chose. Voilà. Alors, cette liberté, c'est la liberté d'être vrai.
qui est certainement la chose la plus difficile qui soit donnée à l'homme. La liberté d'être vrai. La liberté d'être là, présent, dans l'instant où les pensées ne viennent pas interférer avec ce moment où il n'y a rien d'autre que l'espace vide. C'est et donc, cet espace vide est illimité. C'est-à-dire, c'est la liberté d'être. Personne ne peut enlever à personne sa liberté d'être. Exact. Voilà. On est tous... On est. Ouais. C'est-à-dire, on est là. Peut-être qu'on n'a pas tous la Mercedes, peut-être qu'on ne fait pas tous le meilleur des métiers ou la chose la plus extraordinaire au monde, mais on est. C'est ce qui fait notre point commun. Voilà. C'est ce qui fait que nous pouvons nous regarder les uns les autres sur un même pied d'égalité. Que tu regardes le riche, le pauvre, le gras, le maigre, le faible ou le fort, mais sans ces différences. Sans leur liberté, entre guillemets, d'avoir pour être. Tu vois? Mais la liberté d'être, elle est donnée à chaque citoyen de la planète Terre. Donc quelque part, on ne serait plus libre dès lors qu'on dit « je suis libre d'être quelque chose ». Je suis libre d'être riche, je suis libre d'être tel métier, je suis libre d'être ceci ou cela. Tout de suite, on enferme cette liberté comme dans un espace-temps. Voilà. Et là, cet espace-temps nous réduit, nous contraint. Et là, on se dit, je ne suis pas libre, alors que je suis tout de même. Ouais. Et c'est dans ce « je suis » qu'il y a la liberté, mais je n'ai pas l'explorer, puisque ma concentration est sur ce qui vient après. Ouais. Par exemple, je suis pauvre et je dois devenir riche. Je suis sans talent, je veux devenir talentueux. Je suis sans dignité, je veux avoir les honneurs. Voilà. Et cette quête perpétuelle qui se produit dans le temps, quelque part, elle a quelque chose de répétitif. C'est-à-dire, elle se répète sans cesse. Voilà, c'est l'habitude. Une habitude. Le train-train. Donc la liberté qui est dans l'habitude, elle n'est pas la liberté finalement. Certainement. Parce que au fait, quand la liberté, elle est dans l'habitude, elle est brimée. Elle est brimée et l'être qui est identifié à cette liberté, c'est-à-dire si moi je me dis je suis quelqu'un qui a toute la possibilité de faire ce que je veux, eh bien cet être-là, il sera, son être, son état sera brimé dans une certaine configuration de l'existence. Alors que celui qui n'a pas d'image de lui, qui se veut être sans rien ajouter à sa personne qui est là, tu vois, sans son être, pas d'apparence, pas de petit crocodile, tu vois, j'aime bien dire ça parce que c'est un baume, pas de petit crocodile, rien. Et donc, ça fait que tu n'as pas d'apparence, tu ne prônes pas une image de quelque chose qui est valorisante aux yeux du monde. Donc ce que tu es là, à ce moment-là, s'il n'y a pas d'apparence, s'il n'y a rien, eh ben c'est la liberté. La liberté... Une liberté sans image, voilà. Une liberté sans contrainte. Mais pour cette liberté, peut-être qu'il est nécessaire de faire certains sacrifices. Cette liberté sans limite. Mais avant d'arriver à ça... Parce que les internautes, les téléspectateurs nous ont posé des questions à voir tout à l'heure. J'aimerais qu'on en vienne à cette liberté qui nous mène, vous et moi, qui Roger et moi, à explorer l'infini en soi. Alors, c'est l'objet de ton dernier livre, disponible dans les librairies. Toutes les grandes librairies à La Réunion. Alors, l'infini en soi, le fait de vivre libre, c'est une liberté au-delà des sentiers battus, qui permettrait d'explorer cet infini en soi ou d'être cet infini ? D'être cet infini. D'être, parce que l'être qui vit, c'est une émergence. C'est une inspiration. C'est un élan dans la vie. L'élan de toi qui veut la liberté, qui veut la joie, tout ça, c'est une expression. Et cette expression, elle ne peut être là que si il n'est pas embrigadé avec la liberté matérielle. Donc il faut qu'il soit libre de tout ça pour pouvoir exprimer cette liberté, cette joie infinie qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. C'est pour ça qu'elle est libre, parce qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin.
Elle n'est pas limitée par des règles que l'homme a mises en place pour pouvoir se protéger. C'est une liberté qui appartient à tout le monde. C'est pour ça qu'elle n'est pas à être vendue. Personne ne peut l'acheter. L'argent ne te le donnera pas. Même si tu payes très, très cher. Tu vois? Il semblerait qu'on ne puisse pas la stocker non plus. Puisque d'instant en instant, on le perd. Voilà. Et on le retrouve. Exact. Et parce que comme c'est l'infini, comment pourrons-nous stocker l'infini dans les mains? Ouais. Bien sûr qu'on ne peut pas. Comment pourrait-on mettre l'océan dans un dé à coudre? Exactement. À moins de le convaincre qu'il est un dé à coudre. Voilà, voilà. Et c'est ce qu'on s'est fait les uns aux autres depuis l'aube de l'humanité. C'est joli ce que tu dis, parce que quand tu dis « à moins de le convaincre qu'il soit un dé à coudre », c'est là que cette liberté immense devient tout petite en la personne de celui qui dit « je suis un dé ». Tu vois? Moi, j'ai une histoire, j'étais forgé comme ça, ma famille était un tel. Voilà. Et on en oublie qu'on est cet infini en soi. C'est ça. Et on est tout à coup quelque chose qui est limité, contraint, à l'étroit, et qu'il pense que ben, ce serait d'être un dé à coudre un peu plus grand, ou un dé à coudre en bois, qui va le satisfaire, alors qu'en vérité, c'est le détachement total de cette image qu'il a de son propre corps, de tout ce qu'il pense, de son déitude, qui fait que ben, il retrouve l'océan. Voilà. J'ai un poème comme ça. Oui. Il dit « Va dire à l'être humain combien il est grand. Va convaincre un dé à coudre qui contient l'océan. » En fait, il faudrait peut-être qu'on arrive à se convaincre, toi et moi et les téléspectateurs, que nous ne sommes pas un dé à coudre. Peut-être, je ne sais pas s'il faut convaincre ou s'il faut juste... Le vivre. Le vivre et s'en apercevoir. Parce que quelqu'un qui te convainc, ça veut dire qu'il a réussi sur toi quelque chose. Je pense que ce mot convaincre, il est bien présent dans notre société où tout le monde veut argumenter, prôner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est joli, ce qui est beau, tout ça. Et on convainc l'autre, tu sais, d'acheter le dernier aspirateur. Tu vois? Mais en fait, quand on n'a rien à convaincre, on apprend que ce qu'on est n'a pas besoin d'être argumenté. Quand tu es là, présent, c'est quelque chose qui est un fait. On ne peut pas le convaincre, on ne peut pas dire à quelqu'un « essaye de comprendre ». Il faut que tu le vives. Parce que tu le vis, eh ben, tu n'as plus besoin de convaincre personne que c'est ta paroisse la meilleure. Que c'est ça la vérité, mais tu le vis en toi et tu es ce qui est. Voilà, voilà. Eh ben, on va passer peut-être aux questions et on va petit à petit y répondre. Chers amis, on passe aux questions. Voilà, les internautes et les téléspectateurs nous ont posé des questions. La première. De Yannick Duguin de La Réunion et d'Audrey Gonzalez aussi, c'est comment sentons-nous libres? C'est-à-dire quand on vit cette liberté dont on vient de parler là. Voilà. Comment sentons-nous libres? Voilà. Voilà. Le sentiment d'être libre. Ben, ce n'est pas un sentiment. Je pense que c'est un état. Un état d'être qui n'a pas de sentiment. Parce que le sentiment... Quand on dit « sentiment », ça vient du mot « sens ». Les sens qui aperçoit, qui goûte, qui teste. Qui touche, qui voit. Touche, voilà. Et cette liberté n'a pas besoin d'être de sentiment, parce qu'elle est là, présente, quand tu es justement en dehors de tous les sentiments. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ah ben, ça me semble... Une réponse pas commune. Parce que normalement, on te dirait, bah oui, tu sens ça, et puis tu sens quelque chose, et puis alors on commence à rêver, parce qu'on se dit, le gars, il a senti quelque chose que moi, j'ai jamais senti de ma vie, alors faut peut-être que je sente moi aussi. Voilà, 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 voilà. On se met en quête de sentir quelque chose, mais jamais de vivre ce qu'on vit.
Voilà, ouais. Là, c'est dément, en fait. Ouais. On se rend fou avec ça. Et on se dit, tant que je n'y suis pas arrivé, je ne suis pas libre. Donc, est-ce qu'on arrive déjà à vivre ce moment où on veut sentir les choses, où on est dans cette erreur de vouloir chercher un état? Déjà se rendre compte de cet état où on cherche. Parce que la liberté, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qu'on vit. Et à partir du moment où tu la veux, ben, c'est ton désir qui veut. Ton désir court après quelque chose que tu as dans ta tête, que tu as fabriqué, et tu cours derrière et tu veux l'avoir. Donc dès que tu le veux, ça t'échappe. Ben oui, parce que tu es dans ta tête, tu n'es plus dans l'action d'être. Et l'action d'être, c'est là, c'est maintenant, c'est d'accord. vivant. Et tu n'as pas besoin d'avoir à fabriquer cette joie. Donc c'est pour ça qu'on a appelé l'émission « Vivre libre »,« Être libre », et non pas « Se sentir libre ». Qu'est-ce qui prouve qu'on est libre? Audrey nous pose la question. Audrey, d'accord. Qu'est-ce qui prouve qu'on est libre? Oui. Sa joie d'être. Quand elle est libre de toutes les tracasseries, de toutes les peurs, de toutes les angoisses, et qu'elle sait, Audrey ne sait, elle sait pertinemment bien que, en fait, elle n'a plus besoin d'être ce qu'elle aime, elle aimerait être. À ce moment-là, il n'y a plus de tracasserie, parce qu'on n'a plus besoin d'être ce qu'on aimerait être, alors on est ce qu'on est. Et là, il y a une grande joie, parce qu'il n'y a pas toutes ces choses qui viennent dans ta tête, comment je vais faire? Là, tu n'as plus de joie. Tu n'es plus libre. Dès qu'on se pose la question « comment je veux faire ?», c'est que je suis plus libre. Exactement. Comment je vais faire pour être libre? Alors, vous savez que cette émission, dès la première, on a eu un succès. Plus de 70 personnes dans plus de 13 pays nous ont répondu. Ils ont répondu présent à l'appel à participation. Ils ont envoyé leurs questions qu'on est en train de voir. Plus d'une centaine de questions sur des sujets d'intervention différents. Et tout ça sans publicité, juste avec le bouche à oreille, donc vous pouvez en parler autour de vous. Merci, merci de nous suivre. La question suivante, c'est de... Pas d'idée. Dans le sud-ouest de la France, vivre libre, ça change quoi pour les autres, au fond? Comment ça peut affecter l'humanité? Ah, ça c'est une belle question. Si tu es libre, tu es joyeux, et certainement tu affectes quelqu'un. Si quelqu'un est dans le cafard, il a envie de rigoler avec toi. C'est sûr. Et même, des fois, tu vois combien c'est difficile de sortir de son cafard. Tu vois, si cette lumière, elle est tellement forte et tu as la capacité de casser toute la glace qui est autour de chacun d'entre nous, dans notre petit confinement, la carapace du protège. On se protège avec ça, tu vois. Et je crois que cette joie, elle peut aller là-dedans. Ah ben oui. Hein. Elle traverse les fissures. Mmh. Elle trouve une petite fissure, elle va dedans. Elle va dans la faille et tout se brise, elle casse tout et puis on est dans la relation. Exactement. on est dans la file d'attente au supermarché. Et puis voilà, ça émane, c'est là, c'est présent, on commence à causer, à discuter, et puis tout à coup... Et tout le monde se joint à toi. Complètement. Ouais. Alors que personne ne se rencontrait avant, on commence à lier relations, mais des relations sans images, des relations vraies, en temps qu'humain. Et c'est pas d'idée qui dit ça. Pas d'idée qui dit pas ça. D'idée. Pas d'idée, je lui dirais un petit mot, que tu vois, la vie, elle est faite justement de cette joie dans chacun d'entre nous. Et si nous savons l'émerger, si nous savons être cette joie, être là, à ce moment où elle traverse ton corps, ton être, elle traverse ton corps, où moi n'existe pas, alors là, il y a quelque chose qui se passe, non pas autour de toi seulement, mais elle se passe plus profondément dans la conscience. Nous sommes, en fait, quand nous sommes comme ça, nous sommes une lumière qui mettons de la conscience dans l'inconscience. Parce que l'inconscience, ce sont les zones d'ombre qui est dans chacun d'entre nous. Et quand on est inconscient, il n'y a pas cette joie. Il n'y a pas de lumière, il n'y a que du noir. Il y a le cafard, le serpent, le rat, ou ce que tu veux. Ils sont là. Mais quand il y a cette lumière, ben, tout le monde s'en va. Tu vois? Ça éclaire. Ça éclaire. On va prendre quelques dernières questions.
Nina, du Canada. Comment vivre libre des addictions? Comment vivre libre des addictions? Ah, les Alors addictions. j'imagine qu'elle veut parler de l'addiction à l'alcool ou à la drogue ou à la cigarette même. Peut-être même des addictions affectives, des attachements qu'on aurait par rapport à de la famille, des conjoints ou des enfants, des personnes, des êtres chers qu'on aurait perdus. Ça arrive à tout le monde. Je ne sais pas si tu as remarqué, souvent, tu prends un alcoolique ou bien quelqu'un qui fume et il sait qu'il veut arrêter, mais il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que, tu vois, il ne se rend pas compte qu'il est dans cet état. Donc, il pense que en prenant une autre cigarette ou un autre verre, ben, le problème s'en ira. Tu vois? Donc, il est dans l'illusion que ce qu'il a va lui donner de la joie. C'est-à-dire on a un manque et pour être libéré du manque, on pense qu'il nous faut plus de ce qu'il nous manque. Exact. Et toujours plus, et toujours Voilà. plus. On pense Et qu'on va ça va vivre libre si exponentiellement. on a plus d'alcool. On va vivre libre si on a la prochaine cigarette. On va vivre libre si on fait telle ou telle chose. En Alors tout que cas, ça nous emprisonne en vérité. à ce moment-là, tu ne cherches pas la liberté, tu cherches du réconfort. Ah, c'est pas la liberté. Non, là, tu cherches du réconfort. La liberté, elle vient quand tu trouves le réconfort, tu dis maintenant, est-ce que je peux être libre? Mais tu es toujours dans le réconfort et tu cherches toujours du réconfort, donc la liberté non plus, elle n'est pas là. Tu vois? Moi, je crois que il faut aller au-delà et vraiment comprendre que déjà, tu es quelqu'un qui est prisonnier de ton manque et de le réaliser. Et c'est bien souvent la chose qui nous arrive à tous quand on le réalise, eh ben, on va au-delà du besoin. Parce qu'on a réalisé que c'est quelque chose qui nous emprisonne. Juste le fait de réaliser que la cigarette te tue, ben tu auras plus tendance à pouvoir t'arrêter que si tu te racontes des histoires. Tu dis, oh, la prochaine sera mieux, tout ça. Et puis tu ne penses plus. Tu ne réfléchis plus intelligemment. Parce que l'intelligence te Le dit. réaliser, le vivre complètement, cet instant où on est en train de fumer, sans se culpabiliser, sans penser au lendemain comment je vais arrêter, sans dire ben ça va me faire du bien ou quoi que ce soit, mais de le vivre complètement. Et une fois que tu le vis complètement, ben à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas, tous on a tous cette intelligence. Moi, On je prend fumais avant. conscience. Je fumais avant. Quand j'étais jeune. Maintenant, je fume plus. J'ai arrêté. Mais j'avais 30 ans, 28, 30 ans. Je fumais. Je fumais beaucoup. Hein. Et j'ai réalisé que, tu vois, ça, c'était en train de me tuer. Parce que je me levais le matin, excuse-moi pour les téléspectateurs, je crachais noir, quoi. J'étais tellement abîmé par ça. Et j'étais arrivé à un point où j'étais obligé de le remarquer, que ça me faisait du mal. Et à ce moment-là, une intelligence te dit arrête. Et j'ai arrêté le lendemain. Incroyable. Par contre, quand tu arrêtes comme ça fait un choc. Parce que ton corps, lui, le corps qui en jouit, celui qui prend plaisir, lui, là, il cause. Ah oui, il cause dans ta tête. Dis viens, prends-en une autre. Ah, une autre, une autre. Toi, tu lui dis non, J'en ferme-la. veux. Mais ton intelligence, si elle est assise sur la réalité de ce qui se passe, eh bien, ton intelligence sera plus forte. Une fermeté Fermeté. s'installe en toi Voilà. et fait que tu changes Tu changes totalement. de manière spontanée, Voilà. instantanée, sans l'intervention du temps ou d'une technique ou d'une Voilà. quelconque méthode. Et là, il y a la liberté. Ça, c'est une vraie liberté. Magnifique. Cerise sur le gâteau, chers téléspectateurs, je vous forme en personne, celles et ceux les plus courageux qui veulent passer ici sur le plateau télé. Je vous montrerai comment prendre la parole et traiter avec les médias. Il y a déjà plus de 42 inscrits à ce jour à la formation. On va passer à la dernière séquence, les défis. Alors, comme chaque semaine, on se donne un défi pour la semaine. Un défi pour vivre libre. Par où est-ce qu'on pourrait commencer? On est tombé sur l'émission, on ne connaissait pas le sujet ni le thème. Par où est-ce qu'on peut commencer pour le vivre comme tu l'as dit au début de l'émission? Pas juste pour y penser et en parler. Eh ben déjà,
déjà de remarquer. Déjà pour commencer, remarque que tu n'es pas libre et accepte-le. Waouh. Accepte que c'est comme ça. Parce que si tu ne l'acceptes pas, tu vas aller dans ta tête, tu vas faire un idéal, une vie idéale, et tu vas vouloir courir après. Mmh. Donc accepte et ne fais rien. Mmh. Et quand tu as accepté en ne faisant rien, eh ben, il y a quelque chose, il y a, je dirais, un miracle qui se passe. Parce que quand tu acceptes l'état dans lequel tu es, eh ben, ta tête ne va plus chercher des solutions. Et les solutions, c'est toujours la pensée qui te la donne. C'est le petit rat qui tourne pour chercher quelque chose, comment faire, comment réagir, comment être mieux, comment je ferai demain si j'ai tout ça. De le voir ça, mais de ne pas le suivre. De ne pas le suivre. Tu vois ? Mais en fait, c'est ce qui se passe si tu le suis. C'est le processus. Si tu vas comme ça, c'est ce qui va se passer. Mais si tu ne fais rien, tu acceptes, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ta tête, elle sera libre de toute causerie, de comment être libre. Donc, remarquer chaque fois qu'on n'est pas libre, peut-être même de l'écrire. Voilà. Et d'accepter cet état où on ne se sent pas libre. Au lieu de chercher le sentiment d'être libre, allons voir ça ensemble d'ici la semaine prochaine. On vous retrouve et vous pouvez très très bien mettre en commentaire et nous envoyer un mail ou répondre au questionnaire, au formulaire qu'il y a dans le générique pour nous partager vos expériences, pour nous partager tous ces moments où vous ne vous sentez pas libre. Est-ce que vous êtes arrivé à l'accepter ou non d'ici la semaine prochaine? Prenez bien soin de vous et à bientôt. Allez, à bientôt. Je ne sais pas qui a dit ça, que la vie était comme ça. Tu ne peux pas changer. On agit comme de vrais robots, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie.